Le dimanche 26 avril s'est tenu un débat entre Suspect 95, le syndicat des hommes, et Emmanuelle Keïta, la féministe, sur le thème Sugar Daddy. Suspect, je suis bon alors, tu m'entends? Tu vois, Emmanuelle Keïta. Alors, Suspect, je voulais dire, allons-y, attendez, non, doucement, doucement, laisse-moi maintenant rebondir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Emmanuelle Keïta, c'est une ex-actrice ivoiro-malienne qui réside aux États-Unis. Elle a tourné dans plusieurs séries telles que Dr. Boris et Classe A. De modèle photo, aujourd'hui, elle est une businesswoman. Quant à Suspect 95, artiste rappeur qui est l'une des personnalités publiques les plus influentes de sa génération, avec plus de vues comparées aux autres artistes locaux lors de ses directs, il a réussi à mettre de son côté un bon nombre d'internautes à travers son idéologie sur certains faits tels que les femmes doivent également participer aux dépenses des hommes qu'il exprime dans sa chanson Stop au Go Avar ou encore les femmes doivent travailler sans compter sur l'aide des hommes tiré de son titre Enfant des gens. Et une réponse à Didier Léo qui essaie de défendre la gent féminine mais face à la bouche de Suspect. Il n'a pas pu se faire entendre, il s'est juste fait descendre. Top et donner, si ça peut pas payer iPhone 11, ça peut pas payer Mesh, on donne quand même. Tu veux pas, faut te fâcher. Trop d'attachement t'oblige à changer de chemin lorsque tu le croises à cause de son influence, sa notoriété, sa bouche même. C'est dans cette optique que Emmanuelle Keïta, voulant défendre la gent féminine, fait alors appel à Suspect 95 en lui demandant de faire un choix sur un thème sur lequel les deux protagonistes ont eu à débattre lors des direct le dimanche 26 avril sur un thème Sugar Daddy. Il faut souligner que Emmanuelle Keïta a proposé ce débat suite aux provocations de notre artiste dans son inbox avec qu'elle confirme à travers une vidéo. Dans ce direct, Suspect 95 accuse Emmanuelle Keïta d'encourager les jeunes filles à s'adonner au Sugar Daddy. Face à cette accusation, Emmanuelle Keïta répond plus de 1000 fois qu'elle ne prône pas le phénomène Sugar Daddy, mais qu'elle aide plutôt ces jeunes filles à trouver une solution pour se sortir de cette prison vicieuse. Dit que je prône ce phénomène de sugar daddy. Cet homme ce soir me dit, je n'ai pas dit que tu prônes ça, mais tu n'as pas à avoir d'empathie. Tu n'as pas. J'ai dit que tu cautionnes, maman. Non. Thèse que Suspect 95 a refuté tout en proposant à ses filles de tout abandonner afin de repartir à zéro, car face aux besoins, la facilité n'a pas sa place. Ce direct s'est déroulé dans une atmosphère de tatami bien structurée du jamais vu en Côte d'Ivoire. Plus de 70 000 personnes en moins de 20 minutes se sont connectées sur les réseaux Facebook et Instagram pour suivre ce direct. Notons aussi le côté marketing du live avec le placement des produits tels que Aquabao et Emmanuelle Keïta Business & Co. Par rapport à ce sujet, vous pouvez laisser un commentaire, liker, partager, abonnez-vous, restez connectés et branchés sur Insta Vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Rendez-vous pour un autre numéro. Mashallah.